coach pendant la réunion avant l'entraînement, je vous ai écouté. Je vais rester à la Marsa et c'est un honneur pour moi d'entraîner l'ASM. Non, mais voilà, parce que j'entends ici et là que bon, il y a des clubs qui, je sais, il y a des clubs qui m'ont contacté à la trêve. Et voilà, maintenant on est en cours de saison, il n'y a plus de mercato, donc moi je ne change pas d'équipe comme ça, je ne pars pas en cours de saison, j'ai des engagements avec mon club, j'ai des engagements avec mes joueurs. Voilà, même si c'est un honneur, bon, il y a quelques clubs, des grands clubs qui m'ont contacté, mais en fin de saison c'est un autre problème. Mais en cours de saison, bon voilà, c'est très simple, moi je suis quelqu'un de parole, je me suis engagé avec mes joueurs, il y a des joueurs consignés parce que j'étais au club, donc il est hors de question que je quitte mon club en cours de saison, c'est tout. Donc maintenant c'est un honneur d'entraîner n'importe quel club en Tunisie, je connais tout le monde, ce sont des clubs qui sont respectables, c'est un honneur d'entraîner n'importe quel club, mais celui que j'entraîne aussi. À la fin de la saison, il y a une possibilité, coach. Après, on ne sait pas, parce que moi, je vais voir mes dirigeants. À la fin de saison, on peut toujours discuter, je ne sais pas. Mais pour le moment, je suis à la Marsa. À la fin de saison, j'ai demandé des joueurs, j'ai demandé qu'à 4-5 joueurs déjà au niveau du recrutement. Si j'ai ce que je veux au niveau du recrutement, je voudrais un terrain d'entraînement. Si tout ça avance, pourquoi pas, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je veux faire quelque chose de grand avec la Marsa. Maintenant, à un moment, si ça ne suit pas, pour le moment, ça se passe bien. Mais si ça ne suit pas, moi, je ne sais pas. Je prendrai une décision en fin de saison, mais jusqu'à fin de saison, je ne veux rien entendre. Je travaille tranquillement dans mon équipe, top et fin. Orange.